garçon que vous voyez ici, c'est 17 kilos à chaque fois, les gars. Puis j'ai porté toute seule avec mes bras, genre. D'où on a besoin d'un mec dans nos vies? Faire indépendante. Alors qu'il y a des marches chez moi et tout, j'ai tout porté toute seule. Et c'est grave encombrant. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais monter mes meubles et je pense que ça va être une vidéo assez cocasse. On va monter ça ensemble. Apparemment Ikea c'est pas trop compliqué, du moins j'espère. J'arrive pas, je le fais. Parce que du coup je refais ma chambre depuis un an et enfin acheter les meubles. Nous allons monter tout ça. Par contre j'ai beaucoup trop chaud hein. Oh mon petit pied. Allez c'est parti. J'ai plus de force. Du coup, je suis grave fière parce que ces meubles-là, je les ai emmenés toutes seules dans ma chambre, sans l'aide de personne. Je vais les monter toutes seules, sans l'aide de personne. Enfin, j'espère. Touchons du bois. Il y a du bois dedans, ça marche. Les personnes, ils vont rentrer dans ma chambre. Ce sera, bon, voilà ma nouvelle chambre avec ces magnifiques meubles que j'ai montés toutes seules. Je vais me saucer. Ah, j'ai peur. J'ai senti mon legging genre s'accrocher au bois. Mais pourquoi je mets un ensemble de sport qui est plus cher que mon avenir, genre? Plus cher que le meuble? Je vais devoir me changer. Ah! Et ouvre-toi! Alors, il y a ça. Là, comme ça, je dirais, je peux le jeter. Mais je pense pas qu'il faut que je jette. Je vais encore jeter des trucs qu'il faut pas jeter. Ah, ça me fait paniquer. Mais vraiment, je suis en train de paniquer quand je vois tous ces trucs. Hein. Ah! Je vais aussi changer de bas pour arrêter de paniquer parce que là. Mon intuition me dit de mettre toutes les pièces qui se ressemblent ensemble. Ça va être une catastrophe ce montage. Qui se ressemble, ça semble. Phrase totalement fausse. Mais c'est horrible. Genre, avant, je travaillais en grande distribution et du coup, il fallait monter des box. J'arrivais clairement pas à monter des box. C'est tout le temps mon pote qui venait m'aider pour les monter. Faire comment? Il est pas là aujourd'hui. De toute façon, les box. Quelle idée de monter du carton? Là, c'est du bois, c'est quelque chose de concret. Enfin, indépendante, tu peux monter ton meuble toute seule. Tu peux le faire ou pas? Bon, ça, j'imagine que c'est pas jeté. Non, c'est une belle couleur, c'est pas jeté. Franchement, si j'étais quelqu'un. Puis Mélanie, ça a coûté cher, il suffit. Ce matin, j'ai passé l'aspirateur. Et là, il y a déjà plein de petites confettis de bois, là. Un peu bizarre mon marteau, non? J'ai l'impression d'être en vacances. Les cahiers de vacances avec les problèmes, ça commence bien. T'as pu appeler, donner, je sais pas, des noms au truc, quoi. Ça, c'est Denis. Et la cousine qui va avec, c'est Françoise. Comme ça, je sais qui va avec qui, genre. C'est ça qu'il faut? Je suis même pas sûre que ce soit Denis, ça, en fait. Hein. Mais ils ont pas de nom. C'est ouf. Ils ont pas d'inspiration, je sais pas, ABCD. As-tu un nom? Y'a pas de nom non plus. Est-ce que c'est ça? Parce que sinon... It's complicated, hein. Bingo! C'est exactement la bonne taille. I don't understand. I don't understand du tout, là. Ça rentre pas dans le trou, Denis. Pour de vrai, je comprends pas ce qu'il veut. Écoute, je visse ou ça rentre dans le trou, hein. Est-ce que c'est ça, au moins? Parce que je tombe dans le vide. Les vis, elles rentrent pas dans tous les trous. Et j'ai pas l'impression que les trous où je le mets, ça correspond au trou qu'il y a là-dedans. Et je rentre où ça rentre. Et après, ça tourne dans le vide. Je sens pas trop le bail, quoi. Hein. Mais imagine, depuis avant, je visse pas le bon truc. Les barres pas très droites, Ikea, on peut en reparler ou pas? Hop. Tournicotis, tournicotis. On va faire ça au fil. Mais pourquoi vous avez fait autant de trous si c'est pas pour les combler, genre? Ils servent à quoi vos trous? Donc si celui qui a fait le plan est bête, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas moi qui fais mal les choses. Hein. C'est la vida. Hein. Vida loca. Vida Ikea. Donc technique for recon. Ikea. Mais vraiment, ils auraient dû donner des noms à ces trucs. Hein. Et j'ai trop l'impression que je fais n'importe quoi. Ça me stresse! Et je fais certainement n'importe quoi. Mais c'est compliqué. Et là, je suis censée l'enfoncer. Pourquoi ça s'enfonce pas? Vas-y quoi, enfonce-toi. Peut-être avec le marteau. Ah si, j'ai compris, je crois. Ah ah. Faut comme ça en train de me gonfler les gars. J'ai aucune patience. Pourquoi ça bouge ça? Je voulais monter les 3 meubles aujourd'hui. Ça ne veut même pas monter le bébé meuble. J'ai vraiment dû me tromper, c'est pas possible. Ah mais peut-être que... Il y a peut-être des vidéos YouTube.
Ah, je crois que j'ai trouvé exactement le même meuble que moi. Déjà, il commence pas du tout par la même chose que moi, mec. Est-ce que tu as suivi le plan? Il fait exactement ce que je fais. Genre, lui, ça rentre normal. Je suis quand même pas trompé de trou. La vis, elle rentrait pas non plus dans la petite. Bah si, peut-être. Oh mince. Vite, des vis sur tout ça. Essayez comme ça, juste pour deux trous. Et est-ce que ça rentre mieux? Et ben bingo, là, ça rentre. Mais je suis trompé de trou, en fait. Ça se voit qu'il a l'habitude, le monsieur, hein, parce qu'il a absolument pas suivi le plan. Parce que moi, je fais en premier, là, il l'a fait en dernier. Et le monsieur, à chaque fois, il bouche le truc. Et là, je me sens comme Bob le bricoleur, quoi. Punaise, je vais monter ma truc toute seule. Du coup, faut aussi que je dévisse tout ça, vu que je me suis trompée trop. J'espère qu'il n'y a pas des bricoleurs qui vont regarder, parce que sinon, on va se foutre de ma face. Enfin, je pense que t'as pas besoin d'être bricoleur pour te foutre de ma gueule. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai peur. Alors, c'est pas bon. Bah si, en fait, c'est très bon. Guinée, elle va être trop belle. Recachons les petits trous. Par contre, faut être souple. Hein, pour faire tous ces trucs-là. Hein. Ils sont marrants, mais c'est pas méga accessible. Sinon, je me complique juste la vie, en fait. Moi, je me complique la vie. Et genre, en vrai, développement perso, monter des meubles vous-même. Je vais me sentir tarpin fière de moi, après. Donc ça, je peux le bouger pour faire place à une nouvelle pièce. Ça fait des avant-bras. Oh, elle est grave stylée ta table de chevet. Qui te l'a montée? C'est moi. Mais vas-y là! Allez! Oh. Le petit plan me dit de faire quoi? Et ça prend forme! C'est dans quel sens? Aïe! Oh! Il manque des boules là encore. Hein. Tournons la table. C'est quoi ça? Je suis trop déçue, il y a déjà une rayure dessus. Je sais pas si c'est moi qui l'ai faite ou pas. Et le bois, il a déjà pris cher, genre, enfin le prix cher. Un truc neuf. Je suis trop déçue. Vous les appelez, les défoncer. Alors qu'en vrai, je me dis, allô, excusez-moi. Mais en fait, ils me saoulent. Ils mettent ça, faut le mettre là, ça, faut le mettre là. Sauf qu'il y a tout qui se ressemble. Comment je sais si c'est Germaine qui se met là, si c'est Philippe qui se met là, ou si c'est Jean-Eude qui se met là. Ça me saoule. Toi, tu vas être Jean-Eude. Et je te fixe comment? Mais il a mis une de ses musiques, ça m'angoisse. Faut que, avec le marteau, je martonne, quoi. Oh, elles sont jolies en plus, les vis. Il est où le marteau? Attends, je me suis cognée avec avant. J'ai une tête à martonner. Chaque clou, en fait, faut que je m'imagine que c'est quelqu'un que j'aime pas. Il y a clairement pas assez de clous. Bah, elle, je l'aimais vraiment pas. Hein. Je pensais clairement pas que ces personnes me serviraient à quelque chose en moi. Je vous jure que ça aide quand vous vous dites ouais c'est quelqu'un que j'aime pas là. En train de taper dessus. Je n'ai plus de patience. Ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Et je dois monter les tiroirs encore. Hein. Non mais sérieusement, tout ça comme clous. Mais j'ai plus où les mettre les clous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autant de clous? Bon, à part les clouer, mais... Il m'a saoulé, lui. Je suis fatiguée, là. Ensuite, là, j'ai compris la leçon, c'est dans le petit trou. Je suis impatiente et fatiguée. Et après, je peux même pas me reposer. Je dois me préparer. Est-ce que c'est une vis? Bah non, c'est pas une vis. Et vous êtes pas droit. Non. Ah. C'est dans quel sens? Ouais, comme ça, j'ai cru. Sauf que moi et ma logique... Et j'ai oublié une vis, en plus. C'est en train de me saouler. Ah non, mais marre. Pourquoi tu rentres pas dans le trou, toi? Allez, rentrez tout dans le trou. Mélanie, si ça rentre pas dans le trou, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi elle rentre pas dans le trou? Pourquoi il y a de quoi faire qu'un seul tiroir, là? Je vais m'exciter après. Je fais déjà le premier tiroir et après, je vais rien. Mais Mélanie! Mais non, en vrai, j'ai pris les bons trous. C'est pas possible. Pourquoi la tranche, elle est là et l'autre, elle est là? J'ai envie de pleurer de nerfs. Je fais genre, je suis calme, je suis zen, tout se passe bien. Mais dans ma tête, là, dans ma tête actuellement, il y a clairement des envies de meurtre. Et je viens de casser le truc. S'il sortait, bah, je l'aurais pas cassé. Mais vu qu'il sort pas, bah, je le casse. Je fais comme ça. Je
comprends mieux pourquoi il a mis cette musique en fait. Il met une musique calme pour calmer les gens comme moi. Tu vas vraiment péter les plombs. Bah non. Bah non, tu peux pas me dire qu'on a fini là. Bah si, en fait. 4 heures pour ça. Je vais dormir dessus, manger dessus, vivre dessus. Mais je sais pas si ça a duré 4 heures. Mais après autant de temps, te voilà dans ma vie. Je suis satisfaite. Trop fière de moi. Bon les gars, on va finir cette vidéo par terre parce que je suis éclataxe. M'admirant ce chef d'œuvre que j'ai rayé, que j'ai fait avec mes petites mains toutes seules. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir soutenue, j'en avais besoin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et je vous fais plein de bisous en attendant la prochaine vidéo. Les gars, par contre, vous n'êtes pas prêts, hein. Je suis en train de ranger ma chambre, je vous ai déjà dit au revoir, il reste une pièce. Là, je démonte pas tout, hein, la flemme. Franchement, tant pis. Si ça tombe, tant pis.